c'est son fils, Antonin, qui a eu le Covid. Donc, au bout d'une semaine, il pouvait retourner à l'école. Mais son père a eu le Covid. Et vivant avec son père, il ne peut pas. Donc, pour l'instant, il était 3 mois à l'école. Enfin, le début de l'année, ça ne s'est pas trop. Donc c'est la deuxième fois qu'il a été vu, et il a pris vaccination. Ça c'est une sortie. Tu l'achètes le moyen, que tu l'achètes. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette soirée que nous proposons à l'occasion de la parution de l'ouvrage donc, « Être juif dans le Nord et le Pas-de-Calais 1939-1945 », ouvrage collectif de Daniel Delmer, Jean-Baptiste Gardon, Monique Edbeau et Rudy Rigaud, avec une préface de Claire Zalk et une postface de notre directeur Jacques Frège, aux éditions Tiresias, Michel Reynaud, dans la collection Ces oubliés de l'histoire, qui vient donc tout juste de paraître et dont nous avons des ouvrages ici. Vous pourrez les acquérir tout à l'heure à la fin de la rencontre. Donc nous proposons cette rencontre dans le cadre, bien sûr, et en lien directement avec la 80e commémoration de la rafle du 11 septembre 1942 dans les Juifs dans le Nord et le Pas-de-Calais. On l'évoquait à l'instant, donc différentes commémorations se sont tenues, notamment à Lens, Lille, Douai et Valenciennes, avec des expositions, des projections du film documentaire de Catherine Bernstein que nous avions présenté l'année dernière en avant-première, très en amont du 80e anniversaire, ici au Mémorial lors du mois du film documentaire. Voilà, ça a pris beaucoup de formes. Il y a eu aussi une pause de pavé de la mémoire, notamment à Douai, qui reconstituait donc les trajectoires des Juifs raflés en présence de leurs descendants quand il y en avait, de leur famille. Les uns et les autres auront un mot à ajouter concernant ces commémorations spécifiquement. Je vais très vite passer la parole à notre présidente de séance. Juste un petit mot pour vous dire que Jean-Baptiste Gardon et Rudy Rigaud sont en distanciel avec nous. Peut-être on va les, s'ils peuvent être avec nous sur l'écran derrière, comme ça, voilà, ils sont là. Et Claire Zalk, notre présidente de séance, devait être avec nous, mais un empêchement la retient. Donc merci infiniment à tous trois et à Claire Zalk d'avoir honoré la présidence de séance ce soir. Claire Zalk, vous êtes historienne, vous êtes notamment donc vous êtes directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS, responsable du département global de l'Institut Convergence et Migration du CNRS également. Et vous êtes notamment l'auteur d'ouvrages importants avec Nicolas Mario face à la persécution 981 juifs dans la guerre, qui est paru donc en 2010 également. Un ouvrage, l'ouvrage qui faisait suite au colloque qui s'était tenu en partie ici et à l'École de Mariage Supérieur avec Tal Rothman, Ivan Ermakov et Nicolas Mario également, pour une micro-histoire de la Shoah. Et enfin, en 2016,
dénaturaliser les retraités de nationalité sous Vichy. Voilà, je vous passe tout de suite la parole. Simplement, on a conçu le rendez-vous de manière assez dynamique dans un échange de paroles d'à peu près 10 minutes de contribution chacun suite à l'introduction de Claire Sage. Et puis ensuite, il y a la partie question du public et qui nous permet de revenir sur certains éléments qui ont peut-être pas été abordés comme les prises de parole sont condensées. Merci beaucoup, Claire Sage. Je vous passe tout de suite la parole. Voilà, faites attention parce que le virus court toujours et j'espère que je n'ai pas trop toussé pendant cette présidence de séance. Je m'excuse auprès de Daniel et Monique de pouvoir être avec elle à la tribune, mais je pense que c'est plus prudent pour vous. Pour introduire brièvement cette table ronde hein, qui présente donc ce livre, je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'écran, qui est donc paru il y a quelques semaines. Je voudrais dire juste quelques mots sur le cas des Juifs du Nord et du Pas-de-Calais. Ce livre fait en effet le paru immigré bien plus récemment dans l'entre-deux-guerres d'Europe de l'Est et plus spécifiquement de Pologne, dans le sillage des migrations polonaises d'ailleurs à destination des migrants. Or cet ouvrage fait le pari de proposer une histoire commune des Juifs du Nord et du Pas-de-Calais. Et je pense qu'on pourra revenir aussi sur la communauté de destin, ou pas d'ailleurs, de ces populations. Alors, pourquoi ce pari se justifie ? D'abord parce que la persécution antisémite obéit dans la région à des formes et des chronologies spécifiques, je le dis pour le public qui est là, hein, pour juste cadrer les choses, puisque cette région se distingue de la zone dite occupée ou la zone... et que la zone pardon, dite non occupée, donc dite libre, donc non occupée et la zone occupée, puisque les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont classés dès l'armistice de 1940 sous contrôle des autorités d'occupation de Bruxelles. Ce qui explique que les parcours de déportation, et donc cette fameuse rafle du 11 septembre dont on va parler aujourd'hui, ne passent pas par Drancy, comme on a l'habitude de l'entendre, mais par Malines, donc le Drancy belge. Donc cette spécificité administrative va faire aussi, et c'est l'autre spécificité, que cette sorte d'exotisme septentrional dans le sort des populations juives de France explique sans doute pour partie le fait que ces trajectoires soient longtemps restées dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'on peut parler de retard, alors on pourra en discuter, même si nous avons évidemment ici, nous accueillons les pionnières de cette histoire, Daniel Delmer et Monique Elbeau, qui, depuis longtemps, et grâce à la revue de Safon que Daniel Delmer dirige, donc la revue d'études juives du Nord, ont commencé à publier relativement tôt, hein, dès la fin des années 70, il y avait des articles dans la revue du Nord, et puis dans les années 90, les premiers articles dans la revue de Safon, mais néanmoins, alors même si aujourd'hui on parle beaucoup de la commémoration de cette rafle, il y a vraiment un décalage dans la prise de conscience mémorielle de ces événements. Et lorsque nous avons commencé notre enquête avec Nicolas Mario sur les Juifs de Lens, nous avons commencé en 2002 et c'est l'année seulement où la plaque commémorative a été apposée dans la gare de Lens, hein, ce qui vous dit bien quand même le décalage en regard de la chronologie habituelle, ou en tout cas parisienne, mais même lyonnaise ou encore iséroise, de la mémoire de ces événements. Lorsque nous finissions notre livre en 2010 avec Nicolas, la dernière phrase est « L'enquête reste ouverte ». C'est les derniers mots de l'épilogue de ce livre et la publication de cet ouvrage atteste l'importance de poursuivre ces enquêtes. Je suis très heureuse donc de présider cette session mémoriale et il me semble particulièrement important notamment que ce livre réunisse des historiens venus de générations différentes, que ce soit, c'est assez émouvant en fait, hein, de voir Daniel Delmer, donc la pionnière,
jusqu'à Rudy Rigaud qui a soutenu sa thèse en 2020, donc il y a quand même peu de temps. Cette thèse qui a d'ailleurs obtenu le prix de la Fondation Auschwitz, et donc on peut le féliciter pour ça, de Bruxelles. Avec Monique Edbeau qui est spécialiste des persécutions dans le Douaisi et Jean-Baptiste Gardon qui travaille sur les spoliations dans le Nord. Donc vous voyez qu'on a vraiment les quatre types d'approches différentes, quatre générations aussi différentes, et je pense que c'est tout à fait intéressant d'entendre, de vous entendre ensemble pour présenter ce livre. Voilà, je ne veux pas du tout prendre trop de temps, puisque on va essayer de pouvoir laisser ensuite les autrices qui seront présentes signer le livre à la bibliothèque du Mémorial, si j'ai bien compris l'organisation de la soirée. Je voudrais juste finir en disant que ce livre comporte évidemment aussi une dimension citoyenne. Les survivants de la Shoah ne seront bientôt plus là pour témoigner. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, ce sont les petits-enfants qui s'interrogent. Hein. Alice Ekman, dans son très beau documentaire Mathilde et Rosette, que nous avons montré à des centaines de lycéens lundi à Lens, dans un moment très émouvant, témoigne cet intérêt des petits-enfants. Hein, son film Mathilde et Rosette, qui est disponible sur YouTube et que je vous encourage évidemment à regarder. Et Franck Reinkuchen, je ne sais pas s'il est là parce que je ne vois pas la scène, mais oui, j'imagine qu'il est là, qui vient aussi de publier un livre sur son grand-père, une famille juive en France entre 1940 et 1944. Donc, on est au temps où les petits-enfants s'interrogent sur leurs grands-parents, et il me semble qu'il est intéressant de publier un livre qui fait la synthèse de ces parcours comme votre livre. Voilà, donc je suis très heureuse de vous donner la parole, même si je suis à distance, je vous connais, et donc je vais veiller à que le timing soit bien respecté. Nous avons fixé 10 minutes par intervenant, dans l'ordre que je vais vous annoncer tout de suite. Rudy Rigaud va commencer, donc docteur en histoire contemporaine, dont la thèse porte sur les Juifs du littoral, et qui donc a obtenu le prix de la Fondation Auschwitz, va commencer pour nous parler de la persécution dans ces zones littorales pour 10 minutes, et puis je présenterai les intervenants au fur et à mesure de vos présentations. Voilà, Rudy, c'est à vous, et je tiens mon timer précieusement à côté de moi. Merci, et merci Claire, et bonjour à toutes et à tous. Au matin du 16 septembre 1940, dans l'arrondissement de Calais-Boulogne, 54 personnes juives, c'est-à-dire donc la quasi-totalité des personnes encore présentes dans ce secteur, sont arrêtées pour être, alors je cite la lettre du préfet de Boulogne, expulsées pour des raisons de nécessité militaire, et expulsées le lendemain en train vers un centre d'internement à Troyes dans l'Aube. Il y a d'autres personnes juives qui ont été arrêtées dans le secteur de Montreuil-sur-Mer pour être elles aussi expulsées vers ce centre d'internement. Donc c'est une opération qui est soudaine, qui est brutale, qui s'inscrit dans la continuité des premières expulsions de familles qui ont été menées dès l'été 1940. On ne va pas avoir le temps ici de rentrer dans les histoires des uns et des autres, mais on peut citer quand même l'exemple des Kleiman qui ont été contraints de quitter Berck et qui sont partis à Lille et qui ont été arrêtés le 11 septembre 1942, ou encore la famille Landau, qui doit elle aussi quitter Berck et qui se retrouve ensuite à Hénin-Liétard sur le terrain de Claire et Nicolas, et qui ont également été arrêtés le 11 septembre 1942. Concernant cette opération, rappelons d'emblée que malgré son caractère brutal, sa finalité, ce n'est pas la mise à mort, car le programme d'assassinat systématique des Juifs n'est pas encore à l'ordre du jour fin 1940. Sur cet événement qui témoigne de la précocité des mesures antisémites qui ont été mises en œuvre sur le littoral, on peut néanmoins se poser plusieurs grandes questions. On peut se demander pourquoi une telle opération a été menée dans les villes littorales du Pas-de-Calais, et également d'ailleurs dans le secteur de Béthune. Le secteur de Béthune est également concerné, et pas ailleurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc là, il y a une spécificité locale. Autre question, comment, par qui cette opération a-t-elle été menée ? Quel est le profil des personnes ayant été arrêtées ? Et dernière grande question que je voudrais soulever, au moment où la solution finale a été mise en œuvre en France, donc à partir de 1942, est-ce que le fait d'avoir été expulsé, cela les a davantage exposés ? Ont-ils été davantage déportés
que les autres en raison de cette identification administrative et de cette persécution précoce. Tout d'abord, alors pourquoi cette opération ? Donc, je ne vais pas revenir ici sur la dimension antisémite évidente, mais plutôt rappeler quelques éléments sur le contexte administratif, sans développer sur les différentes zones, zones interdites, zones rattachées, mais rappeler simplement que le littoral étant considéré par l'occupant allemand comme une zone ultra sensible en raison de sa proximité géographique avec l'Angleterre, eh bien, le littoral de Dunkerque jusqu'à la baie de Somme est déclaré zone rouge. Et donc dans cette zone, dès l'été 40, hein, donc dans cette zone, il y a des mesures de surveillance qui sont adoptées, il y a des restrictions à la liberté de circuler qui sont drastiques et qui frappent plus particulièrement les étrangers et les juifs. Et donc pour les autorités allemandes, il faut éloigner tous ceux qui sont considérés comme, on va mettre des guillemets bien évidemment à ce terme, des indésirables. Et donc il faut rappeler que sous cette étiquette, eh bien, cela rassemble les juifs mais aussi les étrangers. Il y a 15 étrangers, dont notamment des nomades, qui ont été arrêtés lors de cette même journée de décembre 1940. Il y a d'autres expulsions, d'autres opérations d'expulsion qui ont été menées au cours de l'année 40, l'expulsion d'Alsace à la mi-juillet, celle du Pays de Bade, de la Sarre, du Palatinat en octobre 40. Mais ces opérations, elles visent des personnes qui se trouvaient dans des territoires allemands ou qui venaient d'être annexés, ce qui n'était pas le cas du Nord-Pas-de-Calais. Et surtout, la destination, c'était la zone sud. Tandis que là, les expulsés du littoral, eux, sont envoyés à Troyes, c'est-à-dire donc de la zone rattachée vers la zone occupée qui se trouve sous le commandement militaire allemand de Paris. La deuxième question, la deuxième grande question, c'est par qui cette opération a-t-elle été conduite ? Les 54 personnes juives arrêtées dans l'arrondissement de Boulogne-Calais l'ont été par, essentiellement par des policiers français. Ce sont essentiellement des policiers français locaux qui ont conduit cette opération, comme en témoigne un extrait de la lettre écrite par Germaine Baird Lévy, qui dit, donc je cite, « La police française nous fait faire nos valises en vitesse et nous emmène dans l'obscurité du matin à l'enclos de l'évêché, où femmes en haut, hommes en bas, nous restons sur la paille. Là, nous étions tous les Israélites de Boulogne, prévenus pareillement à la dernière minute. » Il y a d'autres sources de renseignements qui confirment ce témoignage et qui confirment la complicité des autorités françaises et de la police française. C'est le cas de ce rapport qui a été rédigé par le commissaire de Boulogne, adressé au sous-préfet, dans lequel justement il explique donc que la commandanture de la ville a demandé que la police soit mise à disposition, que son personnel soit mis à disposition pour conduire cette opération. Et donc à partir d'une liste qui a été établie par les autorités allemandes, eh bien, l'opération démarre le 16 décembre au petit matin, et le 17 décembre à 13h, le groupe est dirigé à pied vers la gare centrale, et dans son rapport, il dit « sous escorte de policiers français et allemands ». Et le train quitte la gare vers 17h, et le fonctionnaire de police termine, conclut son rapport en signalant que, je cite, « toutes les opérations qui précèdent et dont je vous ai tenu au courant ont eu lieu sans le moindre incident ». La question qui est sous-jacente ici, c'est celle de la collaboration. La politique de collaboration ayant été officiellement décidée et annoncée par Pétain fin octobre 40, on pourrait donc en déduire que cette mise à disposition s'inscrit dans le cadre de cette politique. Or, là aussi, les archives montrent que cette complicité de la police au niveau local, que cette complicité de la police et de l'administration française date des toutes premières heures de l'occupation, c'est-à-dire donc avant les débuts officiels de la collaboration, avant les premières lois antisémites de Vichy et même avant les premières ordonnances antisémites de l'occupant allemand, que ce soit l'ordonnance du 27 septembre pour la zone occupée ou celle du 18 novembre de l'OFK qui concerne les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Et les archives départementales du Pas-de-Calais ont justement conservé un recensement des, alors je mets des guillemets, des magasins juifs qui a été réalisé à la demande des autorités allemandes. Une demande qui a été relayée par la sous-préfecture le 31 juillet et qui a été réalisée, ce recensement, par le commissaire de police de Berck, le 2 août. Alors là, on est aussi dans le cadre du désenjuivement de l'économie qui est voulu par les autorités allemandes de Bruxelles. Il y a d'ailleurs d'autres recensements de commerces appartenant à des juifs qui ont été établis, notamment à Douai et à Lille. Mais concernant ce recensement, il y a quand même des questions que l'on peut se poser. C'est comment est-ce qu'en deux jours, le commissaire de Berck réussit à établir une liste
alors qu'il n'y a plus de questions portant sur l'appartenance religieuse dans les recensements de population générale, et qu'il n'y a pas encore de définition juridique du juif, puisque les grandes ordonnances n'ont pas encore été adoptées. Et donc, on peut supposer que là, c'est l'interconnaissance qui a probablement permis à ce commissaire d'effectuer ce travail d'identification, et c'est également certainement l'interconnaissance qui a dû jouer au moment des arrestations de décembre, même si, à partir du mois de septembre, on a régulièrement des recensements qui sont réalisés. Le rôle de l'interconnaissance, il apparaît aussi à Calais, où les autorités policières ont notamment eu recours au dernier recensement qui avait été établi après la réception des déclarations écrites, parce qu'on a des déclarations écrites pour les populations juives du Nord-Pas-de-Calais. Et parmi les rares juifs qui sont encore présents dans la ville, figure notamment le couple Gerschel. Pourtant, eux, ils ne sont pas arrêtés par les gendarmes et les policiers, les gendarmes allemands et les policiers français le 16 décembre. Ce sont même les seuls qui disparaissent peu de temps avant l'opération. Ils se sont déclarés, ils sont inscrits sur tous les recensements jusqu'à cette opération, jusqu'à cette arrestation. Et d'ailleurs, leur départ est confirmé par les archives de déportation, puisque André Gerschel a été arrêté à Nice et déporté en février 1944. Mais André Gerschel, en fait, c'est l'ancien maire de la ville de Calais. Donc, on peut supposer qu'il a été informé de l'imminence de cette opération par des policiers ou des agents locaux. Et donc là, on a deux cas bien différents par rapport à cette interconnaissance. On a le cas de Berck où cette interconnaissance, eh bien, elle a conduit à une identification précoce. Et on a le cas calaisien où là, elle a permis d'échapper à l'arrestation et donc à l'expulsion. Donc ça invite à avoir une approche un peu plus nuancée de l'interconnaissance qui est d'ailleurs souvent présenté comme le moyen d'échapper à la persécution, notamment à partir de 1942. Sur les personnes qui ont été expulsées, l'autre grande question qu'on peut se poser à partir de cette opération, les données du recensement et les listes montrent que les 54 juifs ont été arrêtés donc, dans différentes villes côtières. Il n'y a pas seulement Boulogne, il n'y a pas seulement Calais. Même si ce sont essentiellement juifs de Boulogne qui ont été arrêtés, mais pas seulement. Et ce tableau montre également, le tableau que j'ai établi à partir des listes, montre que ce sont indifféremment des personnes nées en France et à l'étranger. Donc la nationalité française n'a pas protégé. Ça a été aussi montré par Claire et Nicolas à propos de la rafle du 11 septembre 1942, mais c'est aussi le cas là pour l'opération de décembre 1940. Donc ce sont des familles françaises accompagnées d'enfants en bas âge ou des personnes âgées qui ont tenté de se maintenir en zone littorale et qui ont été finalement arrêtées puis expulsées. Dernier point, est-ce que le fait d'avoir été expulsé, est-ce que ça les a davantage exposés au moment de la mise en œuvre de la solution finale? Donc moi, en consultant les archives départementales de l'Aube, j'ai pu retrouver au total 70 personnes juives provenant du littoral du Pas-de-Calais et qui se sont retrouvées internées à Troyes dans l'Aube. Et donc au moment où la solution finale a été déclenchée, donc en 1942, ben, il n'y a plus qu'une toute petite poignée d'individus qui sont encore présents à Troyes. La plupart sont partis dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, soit en ayant obtenu des autorisations de départ ou en s'évadant. Et donc au total sur ces 70 noms, 10 ont été déportés. Et sur ces 10 victimes de la déportation, 5 sont emmenées par le convoi 68 du 10 février 1944. Et ces 5 individus se trouvaient tous à Troyes. C'est le cas par exemple de l'officiant de la communauté religieuse de Boulogne, Maurice Veil, de son épouse, qui étaient tous deux d'ailleurs français, on peut le rappeler. Et ces individus font partie des personnes les plus âgées du groupe expulsé en décembre 1940. Leur arrestation elle a eu lieu au moment de la grande rafle qui a eu lieu à Troyes le 28 juin 1944. Donc le fait de rester à Troyes, clairement, condamne à la déportation. Parce qu'en effet, seulement 5 individus ayant quitté Troyes et ayant quitté l'Aube, donc 5 sur 65, dont 3 d'ailleurs appartenaient à la même famille, ont été arrêtés puis déportés. Donc partir quitter Troyes ne suffit pas pour échapper systématiquement à la déportation, mais la prise de conscience des dangers qui sont liés à l'identification a certainement amené le plus grand nombre à vivre dans la clandestinité après leur départ de Troyes, ce qui les a protégés davantage des persécutions. J'en arrive à la conclusion. Oui, c'est bien. Conclusion, donc à la fin de l'année 40, le littoral est considéré comme libre de juifs, pour reprendre la terminologie nazie. Mais pourtant, les nazis ne sont pas un paradoxe près, parce qu'ils décident, alors cette fois-ci pour des impératifs militaires et pour des besoins de main-d'œuvre, d'envoyer sur le littoral du Pas-de-Calais à partir de juin 1942 plus de 2000 travailleurs forcés juifs pour édifier le mur de l'Atlantique. Donc ça aussi, c'est une autre spécificité locale qui est abordée dans le livre.
et la plupart de ces travailleurs ont été déportés de Malines à Auschwitz par les convois de la fin du mois d'octobre 1942, ce qui atteste aussi de la mise en œuvre de la Shoah dans la zone côtière. Merci beaucoup, Rudy, pour ce point donc, sur cette spécificité hein, donc, des expulsions et des arrestations des Juifs dès décembre 1940 dans le Boulonnais. Et en effet, vous avez mentionné dans votre conclusion ces camps de travail de l'organisation Todd, et donc peut-être on pourra revenir s'il y a des questions là-dessus, mais je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de vous entendre d'abord, d'entendre les quatre présentations avant d'ouvrir la parole à la salle. Et donc sans tarder, je donne la parole à Daniel Delmer, qui est donc professeur émérite des universités, spécialisé en histoire religieuse contemporaine et en civilisation hébraïque, et donc directrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Tsafon, revue d'études juives du Nord, et qui va nous parler de cette rafle du 11 septembre 1942, dont on parle beaucoup cette semaine, en effet, entre Lille, Lens, Douai, et qui est tout à fait spécifique à la région. En tout cas, pour le cas lensois, nous étions revenus avec Nicolas Mario sur la spécificité de cette rafle, 80% de la population lensoise est arrêtée ce jour-là. Voilà, donc c'est le matin de Rosh Hashanah. Daniel, la parole est à vous donc pour 10 minutes. Merci Claire. Effectivement, donc que se passe-t-il ce 11 septembre 1942, dont on commémore le 80e anniversaire, on a commémoré le week-end dernier, enfin on continue encore, puisqu'il y a une exposition en mairie de Lille qui perdure jusqu'au 27 janvier. Alors, que se passe-t-il ce 11 septembre 1942 ? Claire a eu raison de le rappeler. C'est Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif. Et bien sûr, c'est... Voilà, je pouvais le... Merci. Donc, beaucoup de familles se sont rassemblées. Par exemple, Claire a évoqué le cas de Rosette et Mathilde Bernzon à Lens. Justement, elles étaient cachées et pour le Rosh Hashanah, les parents les ont fait revenir chez eux et elles ont été effectivement raflées ce petit matin. Car effectivement, ça s'est passé au petit matin dans toutes les grandes villes où il y a encore des Juifs, puisque sur le littoral, il n'y en a plus depuis décembre 1940, mais à Douai, à Valenciennes, à Lens, à Lille, il y a encore des, ou dans les environs de ces villes, il y a encore donc des familles juives qui s'apprêtent à fêter ce Rosh Hashanah. Et au petit matin, donc, elles sont arrêtées par la Feldgendarmerie et aidées par des policiers français. On a retrouvé le compte-rendu du commissaire de police de Lille le soir qui fait le compte-rendu de la journée et qui dit bien qu'il a dû mettre à disposition des Allemands une centaine de policiers. Donc il y a là effectivement une collaboration, mais enfin on est en 1942 là, hein, donc on n'est plus en 1940, c'est un peu plus fréquent. Et les raflés de Lille du petit matin sont acheminés par camion général vers la gare de triage de Fives-Lille. Fives est un quartier de Lille et donc ces personnes sont acheminées par camion dans cette gare. Les raflés des autres villes, eux, sont au petit matin, sont ramenés durant toute la matinée à peu près vers la gare de chacune des villes et ensuite vers 13h, enfin ça dépend un petit peu de l'heure, mais en tout cas vers 13h pour l'ensemble de ces villes, sont acheminées cette fois-ci par train vers Lille où elles vont arriver, ces trains vont arriver également dans la gare de Fives-Lille. Alors, cette garde, donc le matin, il n'y a que les raflés de Lille, et l'après-midi, un peu dans une certaine confusion, arrivent ces trains. Alors, je peut-être tout de même, j'avais pas pensé faire trop de projections, mais peut-être, on peut peut-être projeter. On peut projeter là. Alors, c'est pas ça que je veux voir.
C'est ça, ça c'est pour Franck Fakouron qui est dans la salle. Mais c'est pas ça que je voulais montrer. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même. Parce que c'est son papa qui est à... Pardon, le grand-père qui est à gauche et qui s'est engagé dans les régiments de marche volontaire étrangers. Alors, voilà, c'est ceci que je voulais vous montrer. Alors, vous voyez, est-ce qu'on peut zoomer? Est-ce qu'on peut zoomer? Je ne sais pas où est-ce qu'on zoome. Bon, enfin, ça ne fait rien, tant pis. Donc, vous voyez ma flèche. Donc, ici, la gare. On voit la flèche? On voit la flèche? Donc, ici, la gare de Fives, le quartier de Fives, où se trouve une usine avec, donc, évidemment, des ouvriers qui sont très syndicalisés, très politisés. Et ici... Et ici, d'accord, très bien. Et ici, voilà où se passe l'essentiel. Vous voyez les rotondes pour constituer les trains. Et ici se trouvent des bâtiments de la gare où les cheminots, dès le matin, dans la matinée du 11 septembre 1942, aident des Juifs à sortir de la gare et les cachent justement dans ces bâtiments qui sont là et qui vont permettre à ces personnes qui vont pouvoir sortir d'aller dans cette rue et là où la population, parce qu'il y a les cheminots, mais ils sont relayés par la population, ça c'est important à dire, les cheminots ont accompli le premier travail, c'est évident, mais ils sont relayés. Et vous voyez, il y a toute une connivence entre cette population et ce cheminot pour venir en aide. Et on a parlé quelquefois de spontanéité, je pense que d'ailleurs, Monique est bien d'accord avec moi, on ne peut pas véritablement parler de spontanéité, on peut parler de mise en place dans l'urgence et rapidement, et très rapidement même, effectivement, un secours et une mise en place. Mais ils étaient déjà tellement, de toute façon, ils étaient engagés déjà dans une résistance, la Voix du Nord, vous connaissez peut-être, c'est un mouvement de résistance en fait, ils étaient déjà engagés dans ce mouvement de résistance et ils étaient déjà aguerris, accoutumés à venir en aide à des proscrits, pas forcément des Juifs, mais à des proscrits. Donc voilà ce qui se passe au petit matin, mobilisation des cheminots qui aident des enfants à sortir, notamment William Scharfman, enfin il y a des témoins là dans la salle, ou des familles de témoins. William Scharfman qui est sorti, comme je viens de vous l'expliquer, et rejoint après, un peu plus tard, par sa maman et sa petite sœur. C'est le cas, et quelquefois, donc là par exemple, c'est le cas de cheminots qui proposent à la maman de sortir, mais dès quelquefois, et ça c'est important aussi à souligner, c'est les juifs eux-mêmes qui demandent aux cheminots de sortir. C'est le cas par exemple de Madame Schulzhaft qui demande à un cheminot de sortir. Ce matin également, d'autres sauvetages ont lieu, comme par exemple, pas forcément par des cheminots, par d'autres personnes qui ont pu entrer dans la gare mais qui ne sont pas des cheminots. C'est le cas par exemple des frères Baran, Maurice Baran d'abord, qui a donc raflé le matin et qui arrive avec sa maman et son petit frère de quelques mois, lui il a 9 ans, en gare. Et là, la personne qui travaillait pour ses parents, tout d'un coup, réalise que sa patronne est partie avec les enfants, elle court à la gare et elle sort, le petit garçon, Maurice, et elle l'emmène en passant un barrage en disant que cet enfant il a besoin d'aller au water, donc il faut qu'il passe, et elle l'emmène chez elle près de Dunkerque. Et le petit Michel, son petit frère, une infirmière protestante d'une clinique protestante qui a une forte présence protestante aussi dans ce quartier de Fives, parvient à la gare, elle a un brassard de la Croix-Rouge et elle propose à la maman du petit Michel de le sortir. Elle le met dans un sac à dos et elle le sort. Il hurle, bien sûr, mais enfin, dans le brouhaha et dans une machine qui passe, qui couvre les cris du bébé, elle parvient à sortir. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au matin. Ce sont des Lillois. L'après-midi viennent donc des Lensois, des Valenciennois ou des Douaisiens.
Alors, pour ceux qui viennent, là, c'est un peu plus difficile parce que les Allemands sont un peu plus vigilants. Ils ont bien vu un petit peu qu'il y avait tout de même des mouvements et ils sont un peu plus vigilants. Mais juste quelques exemples, ou un seul exemple peut-être, où là, ce sont des Juifs eux-mêmes qui demandent aux cheminots de sortir. Ce n'est pas le cheminot qui vient vers. Bien sûr, ils aident immédiatement, ils n'hésitent pas, ils le font très, très volontiers. Mais l'initiative vient des Juifs. Je crois que ça, c'est important à souligner très fortement. C'est le cas notamment de Tauba et Leibus Mandelbaum. Le récit que je vais vous faire, je le connais grâce à Jacqueline qui est là en face de moi, qui est la fille de Tauba et de Leibus. En fait, ils viennent de Lens, ils sont bien décidés à sortir de la gare de Fives-Lille et c'est Tauba qui demande à un cheminot de la sortir. Le cheminot accepte, il lui donne un plan, quand le train va partir, il va entamer une courbe, il va ralentir, vous pourrez sauter. Et il y aura une échelle, il y aura un mur, je vous retrouverai là. Et en fait, il faut aussi avoir à l'esprit que les wagons étaient des wagons de troisième classe et à l'époque, pour les plus anciens, vous vous en souvenez certainement, il y a une porte à chaque compartiment, non pas au bout de chaque wagon comme actuellement, mais à chaque compartiment. C'est comme ça qu'on peut sauter du compartiment. C'est ce que fait Tauba, le plan est réussi. Le cheminot la sort, il revient en gare et là, il retrouve les bus et les bus lui disent « Bon, ben moi aussi, maintenant, il faut sortir. » Et là, il hésite parce que la surveillance est beaucoup plus serrée, mais c'est les bus qui insistent pour sortir. Moi aussi, j'insiste à mon tour pour bien convaincre que ce sont ces personnes-là qui décident d'elles-mêmes de sortir. Et avec le même plan, il parvient aussi à sortir. Autre cas également. Autrement dit, également, les deux frères Schwartz, qui, eux, sautent du train également, sans aucune aide des cheminots. Ils sortent de la gare sans aucune aide des cheminots. Enfin, dernière chose, parce qu'on m'a fait montrer que le temps passe, mais juste parler de Valenciennes. À Lens, il n'y a eu aucune aide de la part de la population, même au contraire, une certaine réjouissance de voir les Juifs déguerpir. Mais à Valenciennes, tout le long du parcours, il y a tout de même aussi, là aussi, des mains tendues pour soustraire un enfant, une femme enceinte. Et là, c'est même un Allemand qui le fait pour sortir. Donc, au total, j'accélère un petit peu, excusez-moi. Au total, il y avait à peu près 600 personnes qui devaient être déportées. 513 seulement. Je dis seulement, c'est toujours de trop, bien évidemment. 513 qui sont acheminés le soir du 11 septembre vers Malines, et de Malines, le 15 septembre, ils sont acheminés vers Auschwitz. 513, vous avez fait le compte, il y a tout de même à peu près plus de 80 personnes qui ont échappé à cette rafle. Soit en gare de Fives-Lille, à peu près une soixantaine, à Valenciennes, à peu près une trentaine. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, merci. Merci Daniel pour... ce récit sur lequel on pourra revenir et discuter. Je voudrais juste insister quand même sur le fait que vous avez raison de... Vous m'entendez ou pas? Oui, ok. Vous avez raison d'insister sur les sauvetages et sur le fait que ces sauvetages sont aussi parfois à l'initiative des Juifs. Je pense néanmoins qu'il est important de rappeler la violence de cette rafle et de ne pas penser que ceux qui n'ont pas pris cette initiative de sauter sont responsables ou pas de leur sort. C'est-à-dire que c'était quand même des circonstances très, très, très compliquées. Et il est tout à fait important de rappeler quand même que, comme vous l'avez dit finalement, pour finir, il y a quand même une très grande majorité de gens qui sont partis. Donc je pense qu'il faut faire juste attention à pas trop mettre l'accent uniquement sur les sauvetages, parce que ça a été quand même un mouvement, une rafle extrêmement violente. Mais on pourra revenir là-dessus et sur la question des sources aussi, qui, je pense, donne à voir les choses de manière peut-être différente d'un côté ou de l'autre. Mais nous allons parler des autres rafles maintenant avec Monique Edbo. Monique est donc membre du Centre de recherche international sur la barbarie et la déshumanisation. Elle est l'auteur de travaux très précoces, à la fois sur la répression des Juifs dans la région, mais également des Tziganes. Et donc, elle va nous parler des rafles, on s'était dit plutôt après, mais je crois que vous vouliez aussi parler de la rafle de 41. Donc, 10 minutes, vous
d'arriver à suivre, à obéir à cette loi un petit peu difficile et frustrante. Merci. Entendu. Bonsoir à tous. Alors, il est de coutume de présenter les auteurs, c'est ce que Claire a fait, mais alors il y a quelqu'un qui est quand même très en retrait, mais qui n'est pas oublié, c'est Michel Reynaud des éditions Tirésias, qui a d'abord publié ma première étude sur le convoi Z et sur la déportation des Tziganes, et là, qui a accepté de nous accompagner dans l'aventure de cette synthèse, qui finalement, dans l'écriture, a dépassé notre objectif premier, puisque nous en sommes à 480 pages et que nous nous sommes rendus compte à la fin qu'il y avait encore énormément de champs de recherche qui étaient ouverts. Donc, l'enquête n'est pas terminée. Mais je tenais à rendre hommage à Michel Reynaud qui nous a vraiment accompagnés. Normalement, il devait être là ce soir. Alors, c'est vrai que je vais parler un petit peu quand même de ce qui s'est passé avant la rafle du Veldiv. Parce qu'en fait, il y a eu une progression, une préparation de l'opinion. Et mon souci, quand j'ai envisagé d'écrire ce livre, c'était d'établir une chronologie des arrestations, des rafles, des coups de filet. Donc, j'emploie des termes différents volontairement. Et je voulais voir quelle était la spécificité de ces opérations, dans quel contexte ces opérations s'inscrivaient. Alors, très vite, j'ai trouvé au 1er septembre 1941 des personnes qui étaient arrêtées pour des infractions diverses, infractions aux législations en temps de guerre, mais par moments, il était dit qu'ils étaient juifs, c'était pointé, ça veut dire qu'un dossier était ouvert, mais connaissant les patronymes, je savais très bien que j'allais le retrouver après, malheureusement, dans un convoi de déportation. Alors, en 1941, il y a eu ceux que j'appelle les judéo-bolcheviques. Ce sont ceux qui ont été arrêtés après la rupture du pacte germano-soviétique. Alors, on a dit que beaucoup de juifs venaient de l'Est, les Ostjuden, nés en Russie, de nationalité russe, et ces hommes étaient soupçonnés d'être des sympathisants de l'Union soviétique. Il y a donc eu des arrestations des hommes. Donc là aussi, il faut faire attention, que des hommes qui ont été internés en Belgique. Alors, j'emploie le terme interné et non pas déporté, puisque nous appartenions à la même zone que la Belgique. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une difficulté pour les personnes concernées de faire reconnaître cet internement, puisque c'était la même zone, ils n'étaient pas déportés. En tout cas, les structures de l'élimination industrielle immédiate à Auschwitz ne fonctionnaient pas à cette époque-là. Donc ces hommes ont été internés au fort de Brendonck, en Belgique, la citadelle de Huy, et ils ont été relâchés en février-mars 1942 pour la plupart. Donc, ils reviennent dans leur famille. Arrive aussi une opération visant ceux qui sont en surnombre dans l'économie nationale, même si certains prouvent que la famille envoie des mandats et qu'ils sont là parce qu'ils veulent partir, dont l'un en Amérique du Sud. Mais considérer en surnombre dans l'économie nationale, c'est une terminologie qu'on trouve beaucoup en guerre et qu'on trouve encore maintenant. On trouve aussi ceux qui sont entrés illégalement dans le Nord en mai 1940. Combien de personnes ne sont pas entrées illégalement dans le Nord en 1940 ? Des Néerlandais, des Belges et les Français, les Nordistes qui sont partis, etc. Très souvent, ce sont des Anversois qui travaillaient dans l'industrie du diamant, qui s'installent à Lille et qu'on empêche de repartir en Belgique. De toute façon, l'industrie diamantaire va être arianisée, donc on comprend... Enfin, non, on ne comprend pas. Le bourreau a décidé qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux. Et dans la mesure où ils sont dans le nord de la France, ils sont considérés comme des illégaux. Et on trouve un certain nombre, donc 8 hommes, qui sont internés dans la prison de Doullens dans la Somme, parce que le Nord-Pas-de-Calais n'avait pas encore suffisamment d'infrastructures. Toutes les casernes étaient occupées, il y avait une présence militaire très forte. Et ces Juifs anversois vont transiter par Drancy
pour arriver à Auschwitz. Donc, il y a des circuits un peu différents. J'ai trouvé un indésirable, un expulsé toléré, et ensuite, et là, je salue Georges Vézan qui est dans la salle, il y a la politique des otages. Alors, ce sont des otages qui sont pris parce qu'en représailles, il y a eu des attentats, des actes de sabotage, mais très précisément, je trouve deux juifs, Eli Rabinovitch, Kalmé Prochovnik, identifié en tant que juif, et il y a également Jean Vézan, d'une famille juive venue de Pologne, qui lui est arrêté et fusillé donc en décembre 1942, mais qui n'est pas identifié en tant que juif, mais en tant que résistant communiste. Mais néanmoins, on peut dire que la culture de cette famille appartient au monde juif, bon, pas seulement. Je ne veux pas ranger les gens dans une case. Il y a eu également un coup de filet aussi en fin juillet 1942 à Losles-les-Lille. C'est un indicateur au service de la CIPO-SD, je ne dis pas Gestapo, la CIPO-SD. C'est un indicateur très très efficace qui organise un passage vers la zone libre, mais en fait c'était pour arrêter ces personnes. Et là, pour moi c'est important parce que c'est la première arrestation où il y a une femme et une fillette, Micheline Teichler, qui sont arrêtées, qui sont déportées et qui partent par le premier convoi de Malines le 4 août 1942, puisque la caserne d'Ossin à Malines vient d'ouvrir. Et là, tous les convois, il va y avoir 28 convois qui vont partir de Malines. Alors, ensuite, il y a donc la grande rafle. Effectivement, à peu 600 personnes ou plus, nous n'avons pas d'archives. Et ça, c'est le problème aussi. Je ne vais pas dire que c'est une histoire sans archives, mais il faut confronter les archives. Il y a eu des destructions, mais là, on en parle dans le livre. Mais en tout cas, 600 personnes arrêtées à l'île d'Oue et Valenciennes, le bassin minier. Et puis, il y a une espèce de pause, en fait, jusque juillet 1943. Donc moi, je me suis posé la question, pourquoi cette pause? Alors, en fait, les historiens ne sont pas d'accord ou alors n'accordent pas forcément la même importance à certains faits. Certains disent la logistique ne suivait pas. D'autres disent, accentuent plus le fait que ben, l'opinion c'était quand même, avait été heurté par cette rafle massive de femmes, d'enfants, nourrissons, vieillards, malades. Donc il y a différentes interprétations. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en 1942, l'été 1942, il y a quand même un changement. Il y a eu la relève des hommes qui sont envoyés en Allemagne. Après, il y a le STO. Ça veut dire aussi que ceux qui peuvent considérer que bon, sont des juifs qui sont arrêtés, sont des étrangers, mais ça veut dire aussi que celui que j'appelle le bourreau peut menacer tout le monde. Donc là, je crois, et on le voit au niveau d'une espèce du maillage de terrain et de solidarité, qu'il y a des réflexes et il y a une aide pour les illégaux. Et donc, la donne a changé. Donc, juillet 1943, moi, je note des arrestations, si pour situation irrégulière, ceux qui ne portent pas l'étoile. Donc là, il y a un flicage, un suivi très très particulier, parce que les juifs qui arrivent à se fondre dans la masse, à passer sous les radars, là sont clairement deviennent visibles avec l'étoile, si tant est qu'ils portent l'étoile, parce qu'il y a des façons de contourner. Mais donc il y a toute une série d'arrestations. Arrive après le 28 octobre 1943 la rafle des juifs turcs, hongrois et italiens, parce que la situation en Europe a changé. D'abord, l'Italie a connu un débarquement en Sicile en juillet 1943. Donc l'Italie, qui était un allié du Reich, n'est plus. Donc ça veut dire qu'il y a, d'un point de vue stratégique, un débarquement d'alliés. Et
les Alliés aimeraient faire la jonction avec la Hongrie, la Turquie, justement pour ouvrir un front. Et donc, à ce moment-là, les Juifs sont menacés. Hongrois, parce que la Hongrie n'est plus considérée comme très sûre au service du Reich, donc il y a des arrestations massives. La Turquie aussi, qui était sommée par le Reich de rapatrier ses ressortissants, mais la Turquie fait la sourde oreille et parfois dit « bon, ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas revenus chez nous, ils ne sont donc plus turcs ». Donc là, il y a une autre catégorie qui est menacée et arrêtée, et j'ai noté 22 personnes qui sont arrêtés essentiellement à Lille et Roubaix. Et là, les itinéraires sont différents, puisque ce sont des familles, il y a des enfants, qui vont être déportés non pas vers Auschwitz-Birkenau, mais vers Buchenwald pour les hommes, Ravensbrück pour les femmes, parce que la situation, le Reich connaît des revers. Et ça veut dire aussi que là, on extermine systématiquement. On examine ceux qui arrivent en fonction de leur capacité de travail. Donc, il y a donc un autre type de sélection et il y a donc des nuances. 1944, là, les troupes allemandes sont beaucoup plus occupées par la traque des résistants. Et là, ce sont finalement des supplétifs, des indicateurs français au service de la CIPOSD qui font le travail. Et là, 32 personnes adultes sont arrêtées, déportées par Malines. Et là, ce sont vraiment les indicateurs qui ont toute latitude pour arrêter, pour dénoncer, tendre des pièges. Et je voudrais juste terminer avec une autre spécificité chez nous, qui n'a pas été étudié à ma connaissance, c'est ce que moi j'appelle la politique des otages convoyeurs des trains allemands. Il y a eu énormément de sabotage par les résistants, et ce que le général Bertram a décidé de faire, c'est de placer des otages derrière le conducteur de la loco. Alors j'ai fait des statistiques en dépouillant toutes les archives. Dans les différents arrondissements du Nord et du Pas-de-Calais, ce sont, si tant est que je puisse identifier ou catégoriser, ce sont des francs-maçons, des communistes, des illégaux, des résistants. Mais la spécificité de l'arrondissement de Lille, c'est que j'ai noté à peu près 54% de juifs qui sont identifiés et qui doivent se présenter à la gare pour servir d'otages convoyeurs. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle la politique des boucliers humains. Et alors, j'ai trouvé des archives entre août 43 et février 44. Donc, on est à cheval. Mais là, c'est aussi une autre forme de la persécution qui n'était pas très connue. Et simplement pour finir, il y a eu des arrestations jusqu'à la fin, des déportations jusqu'à la fin. Le dernier que j'ai noté, dernier déporté, c'est le convoi 26, alors qu'il y a eu 28 convois. Et j'ai noté également 6 juifs dans ce qu'on appelle le train de l'os, qui est parti le 1er septembre 1944, alors que notre région a été libérée le 2 septembre 1944. Donc il y a eu arrestation, déportation et traque jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Merci. De la seconde. Merci beaucoup Monique pour cet exposé. En effet, il y a des pages assez fascinantes dans l'ouvrage sur cette traque, notamment dans l'été 1944, par des individus, ce que vous appelez, je crois, des gangsters nazifiés, qui sont tout à fait sidérantes et qui montrent la violence de la persécution jusque dans les derniers jours avant la libération de la région. Nous allons maintenant écouter Jean-Baptiste Gardon. Jean-Baptiste Gardon est chargé de cours, est professeur d'histoire à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Académie de Lille. Et il va parler en 10 minutes encore d'un des aspects de la persécution qui est moins, peut-être moins connu, qui est la question des scouts. La parole est à vous.
Merci, bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Je vais revenir assez rapidement sur la spoliation en trois points sur le Nord. Je ne vais pas rentrer dans le détail des dossiers et je voudrais revenir sur trois points particuliers qui sont spécifiques à l'ouvrage. Le premier, c'est l'intérêt du dossier Jean Spriette, qui est un administrateur provisoire dont les descendants, si j'ai bien compris, ont confié le dossier à Monique Edbeau, et donc on a pu le consulter, et c'est quelque chose d'un peu particulier, parce que là on passe de l'autre côté de la barrière, on a les archives personnelles de cet administrateur provisoire. Le deuxième point, c'est le rôle de la spoliation comme étant une partie prenante du processus d'extermination, donc ça semble un petit peu annexe, il y a une dimension peut-être un peu comptable, on se dit bon voilà c'est une histoire d'argent simplement, mais ça va beaucoup plus loin que ça. L'arianisation entre guillemets, c'est une partie du processus d'extermination. Et je voudrais juste terminer sur un troisième point rapidement. Vous entendez correctement parce que j'ai mon micro qui a l'air de... Bon, je continue. Un troisième point qui est la question de l'impunité relative ou totale, on verra, et aussi des motivations des administrateurs provisoires, puisque sur les 65 à 70 administrateurs provisoires, j'en ai étudié un peu plus en détail une petite vingtaine, donc il reste encore, l'enquête n'est pas terminée, loin de là, il en reste au moins une quarantaine à dépouiller en détail. Sur les 700 et quelques dossiers, j'en ai vu moins de 200, 150, 160 maximum, donc il reste encore beaucoup de choses à trouver, c'est donc un chantier qui est ouvert, et j'encourage éventuellement de jeunes... plus jeune encore que moi, je suis très jeune, de jeunes chercheurs à travailler là-dessus pour continuer à travailler sur cette question-là. Premier point, l'intérêt du dossier de Jean Spriette. C'est un administrateur provisoire qui est très ordonné. L'immense majorité des administrateurs provisoires dans le Nord sont des comptables, des experts comptables, des commissaires aux comptes, donc des gens structurés, ordonnés, tout est bien rangé, bien classé, et Ce syndic et liquidateur auprès du tribunal de commerce de Lille habite rue Jean Levasseur, c'est-à-dire à moins de 2 km à pied, 1,7 km de Oisem, où il y a énormément de ces administrés, entre guillemets, donc des juifs du Nord qui ont été spoliés. Qu'est-ce que nous apporte ce dossier? Ce dossier complète les documents des AJ38 des archives nationales que j'ai pu consulter entre autres au mémorial de la Shoah. Parce que non seulement il y a les consignes qui sont dans ce dossier, la correspondance avec le commissariat général aux questions juives, avec la préfecture de Lille, on se rend bien compte que la spoliation dans le Nord, elle est menée par la préfecture du Nord, en collaboration directe, étroite et intense avec le commissariat général aux questions juives et les autorités militaires allemandes. Donc c'est une arianisation franco-française. À 99%, ce sont des intervenants français qui participent, qui réalisent cette spoliation. Les Allemands n'interviennent qu'a posteriori pour valider ou non un certain nombre d'opérations et par contre s'occupent des affaires les plus importantes. Mais pour la majorité des affaires qui sont des marchands forains avec peu de biens, ils s'occupent de récupérer le peu d'argent qui est extrait. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas simplement les consignes, les textes législatifs, dans lesquels la dimension antisémite est vraiment centrale, et là on peut s'interroger, hein, des administrateurs provisoires qui nous disaient à la Libération « je n'ai fait que mon travail, il n'y avait rien d'antisémite là-dedans », par définition l'arianisation est antisémite, et donc on ne peut pas passer à côté, c'est clairement explicité dans la plupart des textes, hein, c'est clairement explicite. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que ne dit pas ce dossier, celui et ceux qu'on n'entend pas, c'est-à-dire le spolié. On lui demande à aucun moment son avis, il y a très peu de courriers, il y a très peu de choses le concernant, et ce n'est plus un sujet de droit. Il y a son immeuble, ses biens meubles, mais lui n'apparaît pas. Il est complètement exclu de ce dossier, et il est déjà plus un tout à fait un homme, pas tout à fait un objet, il n'est rien, il n'est pas un spectre, mais ça va devenir. Ça va le devenir. Donc c'est révélateur aussi au moment de la libération d'un silence relatif, gêné, si ce n'est coupable, des administrateurs provisoires et pas simplement de Spriette, hein, de tous ou de beaucoup, quand ils rendent des comptes sur l'exercice de leur mandat, de leur métier, comme ils disent, entre guillemets, ils ont des formules à propos de leurs administrés qui ont disparu et qui n'ont pas disparu, entre guillemets, toujours. Ils disent, texto, il est parti sans laisser d'adresse. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ou alors, il ne m'a pas demandé de compte après 1945. Comme si les différents juifs lillois avaient décidé de partir comme ça, sans prévenir,
alors qu'on ne pouvait difficilement, on ne pouvait pas ne pas être au courant des rafles, on ne pouvait pas ne pas savoir que ces gens avaient été arrêtés, déportés, que les AP ne sachent, les administrateurs provisoires, pardon, ne sachent pas ce qu'ils soient physiquement devenus, je peux le concevoir, mais ne pas savoir qu'ils aient été arrêtés et déportés, pour l'ensemble des personnes concernées, c'est un peu compliqué. Donc, je n'ai pas rendu de compte parce qu'on ne m'a pas demandé de compte, donc j'ai gardé l'argent que j'ai gagné pendant cette période d'organisation, et s'il revient, je lui rendrai son argent, sachant très bien qu'a priori, il ne reviendra pas. Deuxième point, la spoliation donc comme une partie prenante du processus d'extermination, une sorte de mort économique et civile, d'abord. C'est en 41, 42, 43, 44, une procédure qui est légale, qui est encadrée par des textes législatifs. Donc ce ne sont pas des délinquants, ce n'est pas du pillage, ce n'est pas un vol, c'est un vol légal qui est encadré, mais ce n'est pas de la réquisition, d'accord ? C'est une procédure légale qui est encadrée, que le propriétaire soit présent ou vivant, ça ne change pas grand-chose. Ça s'apparente, juridiquement parlant, à une sorte de succession après décès. C'est-à-dire, quand il y a un décès, il y a un inventaire après décès et on liquide le patrimoine. Eh bien là, juridiquement, c'est assez proche de ça, c'est entre ça et la faillite. On liquide le patrimoine, on vend les actifs, alors que le propriétaire légitime est toujours en vie, ou censé être en vie. Et quand il y a de l'argent qui est récupéré, évidemment, ça ne lui revient pas, ça va sur un certain nombre de comptes qui alimentent le commissariat général aux questions juives et l'effort de guerre allemand, et également les émoluments des administrateurs provisoires, qui sont rémunérés. Pas forcément grassement, quand il s'agit de toutes petites affaires, mais quand vous avez des affaires avec des chiffres d'affaires relativement importants, ça commence à faire des sommes qui sont quand même conséquentes et qui n'ont rien à voir avec un dédommagement. Donc on va avoir un inventaire des avoirs, les comptes sont bloqués, sont saisis, les commerces, les biens immeubles, les biens meubles, tant qu'ils relèvent du commerce, l'activité économique, et l'administrateur devient la seule personne en capacité d'agir, donc on va vendre le bien sans demander l'accord du spolié. Même s'il est présent, il ne compte pas. Il est considéré comme un mineur ou un criminel, quelqu'un qui déjà est physiquement, juridiquement absent avant de disparaître physiquement. Ou il a déjà disparu, ou il va disparaître. Pourquoi c'est une partie du processus d'extermination? Parce que s'il n'est pas encore déporté, comment survivre? Et tu l'évoquais, je pense, Rudy, directement. Comment survivre? Comment se cacher? Comment passer en zone libre? Comment financer sa clandestinité sans argent, sans revenus? Et en étant économiquement fragilisé, en faisant du marché noir, en trafiquant, en s'exposant, en dépendant de la bonne volonté de justes, hein, qui sont nombreux mais pas suffisants par rapport à la population concernée. Et donc, la spoliation, elle assigne, elle désigne et à terme, elle assassine un certain nombre de personnes puisqu'elle les pousse, pas spécialement à se rendre, mais les rend beaucoup plus fragiles. La spoliation, elle participe et elle anticipe la destruction physique. Troisième point, et j'en prends un tout petit peu de temps, donc ça va aller, je vais rattraper un petit peu du retard, l'impunité et les motivations des administrateurs provisoires. Ce sont le plus souvent des comptables, des experts comptables, etc., qui sont nommés par les chambres de commerce ou les associations professionnelles. Ils ne font pas acte de candidature avec une profession de foi antisémite. Et à la fin de la guerre, ils revendiquent le fait qu'ils n'ont pas fait cette profession de foi et qu'ils n'ont fait que leur devoir de comptable dans l'intérêt de l'administré, etc. J'avais compté sur une centaine de dossiers, 4 lettres de spoliés qui remerciaient l'administrateur provisoire d'avoir, dans la mesure du possible, bien entretenu, protégé ses affaires, assuré une vente fictive, etc. 4 sur 100. Donc on peut considérer que c'est 4%, entre guillemets, de l'ensemble des affaires. Pour les 96 qui restent, il n'y a pas spécialement de compassion ni d'empathie, et plus les affaires sont petites et modestes, plus les radiations du registre du commerce sont rapides et définitives. Les AP, les administrateurs provisoires, pardon, ne sont jamais traînés devant les tribunaux à la libération, puisque le processus était légal, et quand ils sont traînés dans les tribunaux, ce qui est rare, ce sont devant les tribunaux civils, par les survivants ou par leurs ayants droit, qui réclament la restitution des biens, ce qui normalement ne pose pas toujours trop de problèmes, pas toujours, mais parfois, et qui réclament, je pense à la famille Ross, également la restitution des sommes prélevées pour payer les émoluments des administrateurs provisoires. Et là, par contre, il faut qu'ils se battent pendant des années. La famille Rabi s'est battue, la famille Ross et bien d'autres se sont battus, parfois en vain, parfois ils ont eu gain de cause. La plupart du temps, il n'y a pas de restitution parce que, tout simplement, il n'y a personne qui vient réclamer.
Et il n'y a personne qui vient réclamer parce qu'ils sont assassinés à Auschwitz ou ailleurs, principalement à Birkenau, peu de temps après, après leur déportation. Pour ceux qui reviennent, comment contester en 1946 une estimation qui a été faite en 1941 au rabais d'un stock de marchandises par un huissier qui est lié à un administrateur provisoire qui est chargé de la réanisation, qui est lui-même en affaire parce que c'est un voisin, un cousin, un gendre, un beau-frère du commissaire priseur qui fait la vente et qui parfois connaît l'acheteur. Tout ce petit monde se connaît. Parfois, on retrouve des adresses qui sont communes. On se rend compte également que ceux qui font la spoliation, qui organisent la réanisation, sont également ceux qui participent à la restitution des biens, tant au niveau de la préfecture, sauf le sommet de la hiérarchie. La famille Singer, par exemple, il y a deux administrateurs provisoires, mais il y a aussi un commissaire aux comptes qui est chargé de vérifier la restitution des biens et des avoirs juifs. Donc on est entre soi, et ça ne pose pas de problème majeur. C'est pour ça que c'est parole contre parole, celle d'un déporté souvent considéré comme étranger, contre des notables établis qui, en plus, sont la plupart du temps relativement solidaires. Donc voilà, tout ça pour dire que l'enquête, comme vous le disiez très justement, est loin d'être terminée, qu'elle est un peu délicate. Vous avez parfois des familles qui sont experts comptables de père en fils et en petit-fils, et vous avez encore des bureaux d'études à Lille, souvent dans les mêmes rues, parfois même presque à la même adresse, qui continuent d'exercer et qui ne sont pas forcément... emballé par l'idée qu'on gratte sur ces choses-là, mais ça, c'est un autre problème. Voilà, j'en ai terminé pour l'essentiel. Merci beaucoup. Ça me fait, si vous me permettez, cette petite anecdote. À la sortie de notre livre en 2010, nous avons eu énormément de témoins qui se sont adressés à nous, et parmi eux, la fille d'un des commissaires provisoires, des administrateurs provisoires, qui était l'un des spécialistes qui avait à lui seul 29 entreprises sur Lens, qui sont sur les 3, vous voyez ce que ça veut dire. Et sa fille s'étonnait, en effet, dans une lettre de ce que nous disions, en disant c'est très bizarre, mon père était quelqu'un de tout à fait respectable. Et elle demandait justice, justification, donc on l'a renvoyée vers toutes les cotes des donc 29 dossiers de spoliation dont son père s'était occupé consciencieusement pendant la guerre. Merci beaucoup à vous quatre. Je sais que la tâche n'a pas été facile de tenir dans les 10 minutes imparties. Alors, on a un peu dépassé. Néanmoins, il est 20h10. Je pense qu'il faut être raisonnable qu'on s'arrête à 20h30 et que donc nous avons 20 minutes pour les questions. Alors, c'est très dommage parce qu'à distance, on ne voit pas la salle. Donc, j'espère qu'on entendra les questions. Ce qui serait vraiment gentil, c'est... j'imagine que... Pauline, c'est vous qui allez faire passer. Ah, voilà, oui, on la voit. C'est très bien, merci beaucoup. De toute façon, il y a un micro, Claire, donc tout est sonorisé, justement. Voilà, et ce qui serait très bien, c'est que donc, les personnes qui posent des questions se présentent afin que nous sachions de qui il s'agit, puisque nous sommes loin. Voilà, donc j'espère qu'il y a donc des questions. Bonsoir, je suis Yuval Wagnin, délégué national de l'UEJF. J'étais anciennement président de l'UEJF à Lille. J'ai beaucoup suivi les questions de travail d'historien sur la mémoire des Juifs dans le Nord et le Pas-de-Calais pendant la guerre. Je voulais vous remercier déjà pour l'intervention qui était vraiment très pertinente, de même qui nous a rajouté plein d'éléments que je ne connaissais pas, notamment ceux évoqués par M. Gardon. Il y a une question qu'on ne comprend pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'au final, le Nord et le Pas-de-Calais ont été rattachés au commandement militaire de Bruxelles? Est-ce que c'était des aspirations flamandes, locales, une envie de re-rattacher le Nord, justement, à la Belgique? Et deuxième question, en France, à travers les rafles, notamment du Veldiv, les Juifs, peu importe leur nationalité, étrangers ou non, ont été déportés au même titre, quasiment. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une exception pour les pays de l'Axe qui justement soutenaient Hitler dans la déportation? Ça a été le cas par exemple de Lili Léniel, j'ai pu l'évoquer avec Rudy Rigaud la semaine dernière, qui elle a été déportée en 1943 et qui allait à Ravensbrück et non pas à Auschwitz pour une mise à mort imminente. Merci pour votre question. Je suggère que peut-être
Daniel Delmer réponde à la première question sur pourquoi cette spécificité, sauf si Audi veut répondre. Et peut-être qu'ensuite, sur la question des rafles et donc du tri selon les nationalités, Monique, qui a bien vu ces différentes rafles et qui a beaucoup travaillé aussi sur le convoi Z, donc peut peut-être apporter une réponse si vous en êtes d'accord. Franchement, je préférais que même pour la première question, ce soit Monique aussi qui réponde, parce qu'elle a travaillé aussi là-dessus dans le livre et dans d'autres. Elle a expliqué pourquoi, effectivement, pourquoi nous étions rattachés à Bruxelles. Alors, effectivement, alors, j'ai retrouvé un livre de classe du secondaire 6e ou 5e, donc livre allemand, et il y avait une magnifique carte où il était dit que le Nord-Pas-de-Calais, l'Artois, la Flandre, l'Alsace, étaient des territoires qui appartenaient à l'espace germanique et que Louis XIV les avait volés. Donc c'était une justification pour nous réintégrer dans l'espace germanique et construire ce que j'appelle l'arc germanique septentrional. Alors, on a été détachés pour des raisons stratégiques. Nous étions face à l'Angleterre. Nous étions une région riche, le charbon, la sidérurgie, le textile, le papier. Et donc, on a parlé de spoliation, mais il ne fallait pas faire peser l'effort de guerre à la population allemande, donc il fallait piller les régions occupées. Il ne fallait pas que la guerre coûte cher aux Allemands. Donc ça, ce sont ces régions-là. Bon, la stratégie, parce que les Allemands s'imaginaient que le débarquement des Alliés, ce serait sur la côte d'Opale, d'où cette construction d'un mur de l'Atlantique, mais qui commence en mer du Nord. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que les Allemands ont cherché à s'appuyer sur les mouvements autonomistes flamingans. Ça n'a pas marché. Il y a un rapport du préfet Karl qui dit non. La population du Nord-Pas-de-Calais se sent française, même s'il y a eu l'abbé Gantois, il y a le docteur Quesnoy, etc. Ça ne marchait pas. Il y a eu un rejet parce qu'il y avait une culture de guerre liée aussi à la Première Guerre. Il y a eu ce rejet, une entrée en résistance très tôt parce que nous avons eu une occupation militaire, mais très, très précoce. Rudy l'a dit, le littoral a été vidé de sa population. Donc, nous avons été occupés militairement très, très vite. Et il y a aussi un aspect qui sera étudié pour le prochain concours du CNRD, Résistance et Déportation, l'école et Vichy. Et je suis allée aux archives cet été et j'ai trouvé beaucoup de textes sur ce qu'on appelle les Volksdeutsche. Ce sont ces mineurs qui venaient de Pologne, qui parfois se sont installés dans le bassin de la Ruhr, qu'on appelait les Westphaliens, qui sont arrivés chez nous dans le nord et qui avaient été germanisés et que les Allemands considéraient comme germanisables, comme des alliés. Et les Allemands s'appuyaient sur eux pour être à leur service, comme indicateur. Et il y avait, par exemple, des colonies de vacances de 6 semaines qui étaient payées en Thuringe ou en Bavière pour les enfants de ces Volksdeutsche. Il y avait aussi des écoles allemandes qui étaient créées dans le bassin minier, à Montigny, en Ortsrevent, etc. Donc, pour le prochain concours du CNRD au musée de la Résistance de Bondu, ça va être largement développé. Donc, tous ces facteurs expliquent que nous avons été rattachés à Bruxelles. Et c'est aussi la volonté précise personnelle de Hitler. Alors, est-ce que c'est parce qu'aussi il a combattu chez nous en Flandre? Je ne sais pas. Il était attaché à notre région, hélas. Voilà. Il me semble qu'il y a aussi des raisons stratégiques. Hein, c'est toute la région frontalière. C'est pas uniquement du pan germanisme. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi des décisions militaires qui s'imposent à ce moment-là. Et il faut aussi savoir qu'il y a eu un énorme exode vers le sud au moment de l'avancée et de l'invasion allemande, et qu'on a aussi déclaré cette zone pendant un temps d'interdiction de retour. Donc ça permettait de faire une espèce de cordon sanitaire pour que les gens ne reviennent pas vers le nord. Donc après, on peut aussi, évidemment, hein, c'est juste une explication supplémentaire. Pour la deuxième question, donc sur cette catégorie de population, au moment des rafles, oui, Rudy, vous aviez peut-être une intervention? Oui, ben je voudrais apporter quelques éléments de réponse à la question de Yuval. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, les nazis, ils ne sont pas à un paradoxe près. Et
en fonction des catégories qui ont été créées par les nazis, les populations ne subissaient pas le même sort. Que ce soit pour les époux d'Ariel, avec toutes les guillemets qui s'imposent, que ce soit pour les demi-juifs, que ce soit pour les familles de prisonniers de guerre, ou encore pour donc les ressortissants des pays neutres ou alliés de l'Allemagne nazie. Donc ils ont été provisoirement épargnés, mais finalement en 1943, avec l'évolution de la situation militaire et avec une volonté d'accélération de la solution finale, ces groupes qui avaient été provisoirement épargnés sont désormais ciblés. Mais néanmoins, c'est le cas pour les victimes de la rafle du 28 octobre 1943, parce qu'ils sont ressortissants de ces pays neutres ou alliés, en tout cas, c'était l'objectif affiché. On va rappeler quand même que les enfants étant nés en France, ils ont bénéficié de la loi de 1927, hein, donc nés en France, ils ont obtenu automatiquement la nationalité française. Donc si officiellement ce sont des ressortissants allemands, hongrois, etc. qui ont été arrêtés, parmi les victimes, il y a des enfants et des enfants de nationalité française, dont Lydie fait partie. Mais ils vont quand même être soumis à un régime particulier, d'où cette déportation vers des camps de concentration allemands et non pas vers le complexe d'Auschwitz-Birkenau. J'insiste voilà. Juste sur un tout petit point sur la loi de 27 parce qu'il y a énormément de malentendus autour de ça. N'oublions pas hein, que la loi de 27 ne donne pas la nationalité aux enfants nés en France. C'est uniquement, elle leur donne la possibilité d'être naturalisés rapidement si leurs parents les déclarent aux autorités. Mais il ne faut pas croire que tous les enfants nés en France de parents étrangers sont français. Ils deviennent français à la majorité, mais c'est uniquement ceux qui sont déclarés français qui deviennent français. C'est juste pour lever un malentendu qui est là souvent auprès du public. Merci Rudy pour ces éclaircissements. Peut-être y a-t-il... est-ce qu'on a répondu à votre question? Peut-être qu'il y a d'autres questions. Oui, je vois une main qui se lève. Oui, merci beaucoup. Bonsoir Hervé de Guine. Merci pour cette présentation très claire. Je suis originaire de Lille, donc forcément sensible au sujet. Et mes deux grands-parents étaient dans la résistance, donc comme tous les gens de cette génération, j'ai baigné là-dedans. Et justement, ma question, c'est à ce propos. On a parlé du destin des Juifs du Nord et du Pas-de-Calais et des arrestations, des déportations. Qu'en est-il de leur contribution à la résistance? Qui veut répondre à cela? Peut-être Daniel, cette fois-ci, la contribution à la résistance. Et c'est compliqué, hein, qu'est-ce que c'est que la résistance avec un grand R? Est-ce que ça veut dire faire partie d'un mouvement de résistance? Et dans ces cas-là, c'est très compliqué, évidemment, pour des gens qui sont persécutés, de faire partie de mouvements. En revanche, les actes dont Daniel a parlé sont des actes de résistance. Sauter d'un train, c'est un acte de résistance. Demander de l'aide lorsque il y a risque de mort, c'est un acte de résistance. Donc, je crois que tout est la question de faire partie de la résistance. C'est une grande question qui n'est pas à laquelle il n'est pas facile de répondre. Mais Daniel, je vous laisse la parole. Je crois que vous avez donné la réponse. Enfin, c'est ce que j'allais dire, Claire. C'est qu'effectivement, qu'est-ce que la résistance? Mais moi aussi, je suis convaincue, comme Claire, que déjà confier son enfant, vouloir sauter du train, etc., c'est déjà un acte de résistance. On met déjà un grain de sable dans la machine exterminatrice des nazis. Donc, voilà. Et puis, par exemple aussi, qu'est-ce que la résistance? On peut parler aussi de résistance juive dans la mesure où, immédiatement après ce qui s'est passé en gare de Lille-Fives, de Fives-Lille, s'est mis en place le comité de secours aux juifs. Donc, et l'initiateur de ce comité est un juif, Léon Lézère. Mais il est aidé aussi par des non-juifs. Encore une fois, je pense que Claire ne me contredira pas, pour être sauvé, pour se sauver, il fallait aussi être sauvé. C'était impossible, enfin, c'était très difficile pour un juif de se sauver par ses propres moyens. Donc, je pense aussi que là aussi, mais ce comité de sauvetage est déjà une résistance aussi. Puisque, encore une fois, on empêche la déportation, on empêche l'extermination. Voilà. Mais dans les mouvements de résistance, véritablement, Monique aussi peut répondre. Alors là, on a essayé de cerner ce qu'était la résistance et de la définir. C'est ce que j'appelle la résistance civile ou la résistance sans armes.
Mais moi, j'ai cherché à savoir quel était le rôle de la résistance dans le sauvetage, mais résistance en tant que mouvement. Donc, il y a le mouvement Voix du Nord et il y a les réseaux. Et en étudiant les archives, et aussi j'ai eu l'aide de Catherine Astol Lacour, qui a travaillé sur le genre de la résistance et l'aide des, et la présence des femmes dans la résistance, et elle m'a communiqué des codes d'archives. Et là, je souligne que en histoire, c'est un travail d'équipe, et là, je l'ai vérifié. Et donc, je me suis rendu compte que des enfants étaient cachés, mais grâce à des mouvements ou des réseaux de résistance. Donc là, c'est net, il y a un maillage de terrain et la résistance intervient. Donc là, c'est le sauvetage d'enfants. Mais alors moi, il y a un chantier qui est ouvert et dont j'ai envie de m'emparer. Ce sont les Juifs dans la résistance, entre autres la FTP Moy. Et là, moi, j'ai trouvé un dossier, surtout pour Roubaix. Et là, Claire pourra donner quelques précisions, pourra partager mon questionnement. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un prénom tel que Rachel ou Salomon, qu'on a un patronyme qui semble être un marqueur du judaïsme, qu'on est juif, parce que Claire a beaucoup travaillé sur la question qu'est-ce qu'un juif. Moi, j'ai trouvé donc dans la FTP Moy des hommes, des femmes, donc dans le Nord, qui pourraient être juifs. Mais je ne connais pas assez leur biographie. Je sais aussi qu'il y avait des liens entre la FTP Moy du Nord et Paris, et la diffusion de feuilles de résistance. Donc moi, ça, c'est vraiment un dossier dont j'aimerais en parler, que j'aimerais creuser. Mais alors, je ne sais pas si Georges peut dire quelques mots, mais ton père, Jean Vaizant, était résistant, communiste, juif. Ta maman, Esther Zilberberg, Estoucha, a été arrêtée, déportée à Ravensbrück. Elle était aux côtés des brigades internationales en Espagne. Avant. Bon, alors c'est toi qui vas pouvoir préciser, mais alors si tu pouvais dire quelques mots, parce que là, c'est un itinéraire, mais vraiment intéressant. Bon, vas-y. Il ne faut pas plus de 2 minutes, hein, quand même. Leur histoire démarre en Belgique. En fait, tu parles toujours de FTP Moy, mais en Belgique, d'une part, le Parti communiste, pour parler de celui-là, n'était pas anti-intellectuel comme ça pouvait l'être à peu près trop souvent en France. Et deuxièmement, il y avait immédiatement une section Moy en Belgique. Quand ils ont vu que la répression commençait, la direction du parti leur a dit « Vous arrêtez de vous isoler, vous êtes confondus dans le réseau de résistance belge en entier ». Il se trouve que mon père vient en France alors que je suis né à Bruxelles et j'ai toujours pas compris comment il savait qu'on pouvait se faire embaucher sur le terrain d'aviation qui était en construction à Nierni où il y a eu 15 000 ouvriers qui sont passés. Évidemment que dans les 15 000 ouvriers, il y avait quelques résistants, quelques communistes et pas seulement eux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les réseaux qui fonctionnaient. C'était des juifs ou pas, c'était quand même des réseaux d'anciens d'Espagne pour ceux qui l'avaient faite. Et donc, il n'y avait pas d'appartenance nationale ou d'appartenance culturelle de ce côté-là. C'est ce qui passait que quand ma mère revient, elle a tout de suite des contacts avec des anciens d'Espagne. Donc, je n'ai pas de réponse complète sur ces questions, mais je suis toujours un peu surpris qu'on a le droit d'être victime, mais il ne fallait pas trop être combattant. Alors, j'étais un enfant caché, mais j'étais un enfant caché dans une famille de résistants communistes. Bon, mon père adoptif était bossu, donc évidemment, pour être dans la clandestinité, ce n'était pas un bon truc. Mais c'est pour ça qu'il est resté entre deux eaux, mais sans arrêt, les clandestins venaient manger chez nous. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas, dans une situation comme celle-là, je crois, décider ce qui va être, ce qui ne va pas être. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a eu les formes de résistance, cette histoire des cheminots de Fives-Lille. C'est toi, Monique, qui m'a mis le doigt dessus. J'étais vaguement au courant parce que ma mère était en contact avec le docteur Baron, qui, et je crois...
voilà, qui s'occupait qui a réceptionné des enfants par l'intermédiaire encore de protestants. Voilà, et je crois, un souvenir d'enfance, qu'étant petit garçon, j'ai dû jouer une fois chez lui avec un petit Jacques, dont je ne sais pas qui il était. Mais le docteur Baron était protestant, il fonctionnait, et la demande de ma mère, c'était d'accepter de soigner des résistants blessés pour après des sabotages. Parce que l'autre résistance, c'était les sabotages dans les usines, les sabotages dans les trains, et il y a eu très peu dans la résistance initialement, directement d'abattre les soldats allemands. C'est à chaque fois des événements qui font date dans l'histoire de la résistance à Lille, la taverne lilloise, le restaurant André un peu plus loin, et ce sont toujours, et à Lens, les premières exécutions avec le groupe de Charles de Barge. Quand Charles de Barge demande à ses camarades communistes, une trentaine, de vouloir passer à la résistance armée, ils vont se retrouver à 4 ou 5. Il y avait quand même un passage pour la plupart des gens du pacifisme à l'issue de la guerre 14 au communisme progressivement. Et ils n'étaient pas prêts de se remettre directement dans la lutte armée. C'est quelques juste pistes. Un petit mot moi aussi pour compléter, puis après je pense qu'on peut donner la parole à Jacqueline qui a levé le doigt. Mais beaucoup de juifs qui sont partis dans le sud se sont engagés dans des mouvements de résistance dans le sud. Par exemple, juste un exemple que je connais bien, les deux frères dont je vous parlais qui ont sauté du train, les frères Schwarz, sont, le plus jeune a 15 ans, ils s'impliquent dans des mouvements de résistance dans le sud. Dans la famille Frankhorn aussi, il y a des qui sont partis dans le sud, il y a des résistants. Beaucoup, une fois dans le sud, entrent dans des mouvements de résistance. Donc ce n'est pas forcément dans le nord. Voilà, et donc peut-être Jacqueline qui voulait aussi intervenir. Je voudrais juste... C'est bon ? Je voudrais juste dire quelques mots aussi sur la résistance. Une autre forme de résistance, la résistance allemande. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a ce ne sont pas des juifs, mais effectivement. Mais les cheminots de la gare de Fives rédigeaient des tracts en allemand à destination des soldats allemands pour leur dire « Cette guerre n'est pas la vôtre, arrêtez cette guerre. » Et il y a un soldat allemand, Willy Wirtgen, qui a été exécuté à Bondu. Alors, au fort de Bondu, je ne sais pas. Mais il y a aussi un pasteur allemand de l'OFK 670 qui a prévenu quand il y avait des rafles. Donc, il y avait des résistants allemands et des antifascistes allemands. Donc, là aussi, ça aussi, c'est un chantier à ouvrir et à creuser. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question pour finir dans la salle ? Oui, encore une question de Jacqueline Mandelbaum. Je voulais vous poser la question à propos de cette implication des Juifs du Nord-Pas-de-Calais dans la résistance. Un grand nombre de ces Juifs étaient yiddishophones. C'est le cas, par exemple, de Leibus, mon papa, de Toba, ma maman, notre père et mère, Daniel et moi. Et ils étaient des militants communistes, des militants très engagés, depuis la Pologne, puis en Belgique. Et à Paris, ils militaient au Parti communiste avant de venir à Lens. Mais quand, comme mon père, on parle français mal, avec un accent yiddish extrêmement prononcé, c'est très difficile d'être actif dans cette région-là de façon utile dans la résistance. Donc peut-être que ça explique aussi que c'est compliqué de s'impliquer dans qu'ils aient été intégrés dans des mouvements de résistance pour les protéger sans doute et puis aussi pour protéger le mouvement de résistance. Je voulais vous poser une question, si je peux. Il y a eu une grande disparité d'aide entre la ville de Lens et la ville de Lille. Alors, est-ce que vous avez pu avancer sur la compréhension de ce traitement très différent en dehors de la sociologie particulière des deux villes ? Alors là, peut-être ouais, d'ailleurs que Claire aussi pourrait répondre à cette question, puisqu'elle connaît très bien la ville de Lens. Enfin, très rapidement, c'est effectivement une différence entre une population
où il y a une grande, à Lens, il y a une grande partie de Polonais catholiques qui ont amené, venus de Pologne, qui ont amené avec eux leur antisémitisme et de fait n'ont pas aidé, ont regardé, non pas forcément aidé à l'arrestation, mais ont regardé. Mais peut-être que Claire en sait autant que nous, sinon plus. Alors, moi, je pense qu'on peut... Vous m'entendez ou pas? C'est bon? Oui, il me semble que, un peu, de manière peut-être un tout petit peu décalée par rapport à ce que Daniel Delmer vient de lire, ce qui est très important de rappeler dans le cas lensois, c'est que c'est une communauté quasiment pour l'intégralité qui sont des nouveaux migrants, des gens qui sont arrivés il y a peu. Et il y a chez cette région beaucoup, beaucoup de xénophobie aussi, qui est partagée. C'est pas uniquement le cas des Polonais catholiques, qui je pense n'aident pas, mais il y a aussi les commerçants du centre-ville qui font, en effet, comme le rappelle l'oncle de Mathilde et Rosette dans le documentaire, hein, qui fêtent le départ des commerçants lensois après leur départation. C'est aussi des commerçants du centre-ville qui n'ont rien à voir avec des Polonais catholiques qui, lorsque, en 1945, les quelques rares survivants reviennent, vont continuer, hein, et c'est novembre 1944 plus exactement à Lens, à faire des manifestations pour ne pas rendre les commerces aux gens qui reviennent. Donc, il y a un contexte quand même xénophobe, teinté d'antisémitisme dans cet endroit-là, qui est très différent du contexte lillois où les personnes sont là depuis le... Enfin, en tout cas, il y a une communauté installée depuis longtemps, même s'il y a aussi des migrants là. Et je pense que la question de la xénophobie articulée à l'antisémitisme est quelque chose à prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est que sur le cas lensois en particulier, le commissariat de police fait preuve d'un zèle à toute épreuve. C'est-à-dire que c'est, bon, pour avoir bien travaillé sur les archives du commissaire Humetz, c'est vraiment quelqu'un qui va très souvent devancer même les ordres des Allemands, tenir les listes à jour quasiment toutes les semaines. Hein. On a 13 listes dressées entre septembre 1940 et la rafle du 11 septembre 1942. Donc, vous voyez, 13 fois où on retisse les listes, voir si les gens sont là, s'ils ne sont pas là, essayer de tout tenir à jour. Et donc, au moment où il faut arrêter, c'est très, très simple de se mettre à aller chez les personnes. Donc, je pense que ça, c'est un deuxième facteur à prendre en compte. Et le troisième facteur dont Daniel a parlé, c'est l'antisémitisme des Polonais catholiques. Mais il y a aussi les deux autres facteurs qui me semblent vraiment importants à avoir en tête pour comprendre en effet cette spécificité lensoise. Je ne sais pas, peut-être Pauline, il faut que vous me donniez des ordres pour savoir si je clôt cette table ronde afin que Daniel Delmer et Monique Edbeau puissent signer l'ouvrage. Oui, pense que on peut. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas de. Ça pourrait être la dernière contribution. Merci encore, Claire, d'avoir présidé cette séance dans ces conditions qui ne sont pas faciles, mais vous avez été très, très claire et aussi une contributrice. Donc, c'était vraiment merci infiniment. Merci à tous les cinq. Et puis, effectivement, on vous propose donc, si vous le souhaitez, d'acquérir l'ouvrage. Et donc, Monique Edbeau et Daniel Delmer pourront également le signer si vous le souhaitez. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous.